Ilenial pral mande pou nou rassemble. Nou pral sonne lanbi pou nou rassemble. Pou nou rappele ou. Me an pil chay palou. Pou nou rappele, c'est moi. C'est ou qui pou mette main pou Haïti avanse parce que l'union fait la force. A chassou! Sonne lanbi, sonne lanbi, sonne lanbi. Frappe tambou, frappe tambou, l'en vle décourager. Pour relimer flamme détermination la caille nous. Nous pral frappe tambou pour rappeler nous te fait 1804 que nous capables de faire 2022. Achassou, frappe tambou. Thank you.
Bonsoir, bonsoir, chers téléspectateurs. Le plaisir est intact et plus immense encore après autant de temps de cassure ô combien désagréable. Nous sommes là aujourd'hui pour reprendre notre aventure inédite. On va passer un moment extraordinaire. Comment vous dire combien vous m'avez manqué? Bonsoir. Bienvenue à vous, bienvenue, vous qui nous regardez depuis la France, sur Fui, chaîne 434, sur Play TV, sur tous les réseaux sociaux. Soyez confortables, car vous êtes la bienvenue. Moi, connais-nous super intelligents, pas vrai? Oui. Quand on a été mon qui est intelligent? Oui. Non pas intelligent? Oui. Bien sûr, on va poser nos petites questions. Bon, quelques matières, nous connaît qui super cher, qui gagne de grandes valeurs. On allait. Géographie. Est-ce que c'est ça? Elle me dit matière. Est-ce que nous, on voit de qui ça m'a parlé? Iranium. Iranium, voilà. Iranium. Quoi d'autre? Ah, la femme retire mon intelligent, oui? On allait. Uranium, quoi d'autre? L'or. L'or, quoi d'autre? Diamant. Diamant, après ça? Ma voici une intelligente. Mon gros cadeau là. Mon gros toto cadeau. Si je joue une moune dim, ça me rend dia là et puis je vide des cadeaux sur nous. On allez. Millennium. Un kebe cadeau pour nous en tout cas. Eh bien, bon, dis-nous. Catégorie moune pour le saluer là, yo, yo pas gagné un prix. Yo pas gagné en valeur vraiment qu'a mette sur yo. Comme si baka l'homme pas qu'a parlé de yo. Eh bien, c'est technicien moi yo. Sans yo pas gagné. Sans yon pas gagné millénial, m'a demandé pour nous faire bruit pour Jovenel Destiné. Jose. Gracia. S'il vous plaît, bon demoiselle là qui saute bien passé à l'heure là. Si moi aussi, radieuse, c'est grâce à lui. Ma Muya, Woudjina, on l'applaudit s'il vous plaît. Moi, j'ai eu l'autre ange qui sont tombés dans le ciel là pour millénial spécialement. Je vais demander pour nous faire un pile bruit pour Hans Chavenet, s'il vous plaît. Merci. Et nous pas oublier surtout, collaborateur nous, Roldi Risnald. Bien. Nous pouvons imaginer que je ne peux pas porter n'importe qui rade, hein? Hein? Je ne suis pas jolie? Oh, mais bien sûr! Eh bien, je vais porter une pièce de collection que un jeune designer haïtien fait. C'est vrai que je viens pour moi balayer une émission spéciale, mais bien avant, je voulais pour nous saluer chez Devza. Hein? Maman, vous nous applaudir, s'il vous plaît. Vlad versus collection. Comme ça. Regardez, mesdames, vous n'êtes pas designer. Vous êtes comme ça. Nous ne pas tant de voiles aujourd'hui. Hein? Nous ne pas tant de voiles. Nous avons une émission spéciale pour lui-même. Pour venir parler de parcours, qui ça qui motive? Mais tout simplement, tu voulais nous qui est-ce qui a bien aujourd'hui. S'il vous plaît, Vlad. Merci. Bien, nous allons passer à barrer sérieux, pas vrai? Oui. Sauf ça, me connaît. Vacances pas milléniales là, les commencer. Kounia. N'a pas posé là, n'a tourné. Thank you.
bravo pour tête, nous, bravo pour tête. Nous avons un pilier qui est important pour le concours. C'est le moment pour nous présenter, pour nous faire public la connaître. Moi, je n'ai pas choisi des juges au hasard. Moi, je prends des jeunes à titre de modèle dans le domaine qui a évolué. Avant même de commencer, citer nous et parler de nous un petit peu, je vous demande, s'il vous plaît, on va tenir pour moi. Commencer avec un homme. Aubert de Charles, professeur de lettres, journaliste, juriste, il est originaire de Kinskoff. Nka wè moun fier de côté au soti. C'est pas passé Aubert. Abandonnez-nous s'il vous plaît pour nous applaudir Aubert. Derrière chaque grand homme se cache bien sûr, et on applaudit Geneviève, Rose, Murdite, Joseph. Étudiante finissante en travail social, journaliste multimédia, coordonnatrice de la salle des nouvelles de Radio-Télé Pacifique, passionnée de musique, d'écriture, perfectionniste, volontaire et positive dans tout ce qu'elle entreprend. Un plaisir de t'avoir avec nous. On l'applaudit, s'il vous plaît. Non, ça a son phrase, hein? Patricia, Norma, Noava, virgule, Paul. Ah, virgule, la baladonne. Elle est originaire de Cabaret. Juriste diplômée, présentatrice à la TNH, et c'est la nénène de Al. Ça ne va pas préciser. Il y a trop de fierté là-dedans. Hein? Bien. Donc, troisième et dernière femme avec nous. Femme voyante. Débrouillard. Fébri pour Aubert Cathy Moïse. Aubert Cathy Moïse, originaire de Dame Marie, gestionnaire spécialisée en gestion des collectivités territoriales, CEO de la famille Dépôt, passionnée de football, plus précisément du Real Madrid et de Cristiano Ronaldo. Je vous demande d'applaudir Churchill, Wendy, Joseph. Originaire des Gonaïves, amoureux de la vie, de l'être humain, de la culture. Il est psychologue et travailleur social. Dans cette même perspective de promotion de la culture haïtienne, il a créé le groupe de recherche et d'intervention communautaire GRIC en 2013 et Haïzentraï en 2018. Il est défini par le respect, l'amour, l'intelligence, la sagesse et surtout le vivre ensemble. Sa phrase préférée est « Le sourire est l'harmonie des cœurs ». Pour lui, chaque sourire peut être une source d'espoir pour l'être haïtien. Yeah. Yeah. On me dit par un sourire, levez mal pour moi. Voilà. Eh bien, applaudissez à tout peut-être ça. Merci. En tout cas, membre jury, souhaitez-nous bonne chance. Sauf que, on va t'arrêter en place, non? Parce que ça va être très, très dur. Maintenant, nous prendrons les gens qui concernent. Qui c'est? Participant. Le participant 001. Sans prix, s'il vous plaît. Si des gens là qui viennent pour Bernard, Valérie, Fébri pour Bernard, Valérie, s'il vous plaît. Le participant 002. On appelle Cancoul Richard. 003. Dorville Hickson. 004.
Étienne, Jean, Josué. Josué dit mon comme ça, les lapins cria. Est-ce que mon kaken be moun bo ici ya pour Jean la mené moun? Mon pas content des fanatiques Josué. Zéro, zéro, cinq. Fleurissant, Yuri Stanley. Ça veut dire pas que moun la pour Yuri? 006. Innocent, Mirland. Enfin une passe. 007. Jean, Milcar, Cassandre. OK. 008, Jean-Baptiste Erne Stanley. 009, Joseph Ernst. 010, Ledix Caroline. 011, Mésidor Winona. 012, Opon Ruggeri Justin. 013, Robert Mark Peterson. 014, Romelus Isaac. Et 015, Toussaint Hervens. Puisque nous avons tous ces fanatiques milléniales, je voulais pour nous applaudir ensemble pour moi, s'il vous plaît. Nous allons commencer avec la catégorie Histoire d'Haïti, Géographie d'Haïti. Le principe là, c'est qui s'allie. Moi, si tu as un numéro avec ton monde, il va répondre à une question. Sous 50 points. Si il ne répond pas, il y a un autre monde qui a la réponse. Non? Li ba réponse tan li bon, la ap genye 20 points. Si réponse li ba la et question en pat pou li, li pa bon, la perdi 20 points. Kit li te gen 0. Ça veut dire l'el pral gen point, la tout commence à moins moins 20. Si nous pas sûr, pas répondre. Est-ce que entendez? Bien. Maintenant, c'est juge yo qui pral décider par rapport avec qui est qui te demandé répondre avant, qui est-ce que tu as accordé? Ça pas sorti dans moi. OK? Chaque participant que me relé, l'a venir dans chapeau a, li choisi un papier, l'a ouvrir pour lui dire qui question il va le répondre. C'est pas moi même qui a dit nous ou bien qui a choisi pour nous. OK? On appelle 001 Bernard Valérie. Dans la catégorie Histoire d'Haïti. Qui numéro? Où est? Question d'histoire numéro 13 pour Bernard Valérie. Je suis mort à Pétionville le 4 octobre 2014 et ma dulcinée porte le prénom de Michel. Qui suis-je? Je suis mort à Pétionville le 4 octobre 2014 et ma dulcinée porte le prénom de Michel. Qui suis-je? Passe. Passe. À qui est-ce qu'on accorde la possibilité de répondre? En noir, bien sûr. Jean-Claude Duvalier. Bravo, et c'est la réponse. Joseph Ernst, 009. On fait plus vite qu'on coule. On est stressé qu'on coule? On est stressé? Un peu. Un peu. Question 5. Question 5 pour qu'on coule. Histoire d'Haïti. Quel est le nom complet de Toussaint Louverture? François Dominique Toussaint Louverture. Et on l'applaudit, s'il vous plaît.
On y va et on continue avec 003 d'Orville Hickson. Hickson, quel numéro? Question 7. Question 7. Question d'histoire numéro 7 pour Hickson. Dans quel cacique fut débarqué Christophe Colomb et quel en était le cacique? S'il vous plaît, en question qui sortit dans le public, là, la peut éliminer. Le marin Guacanagarique. Bravo! Zéro, zéro, quatre. Étienne, Jean-Josué. Question numéro 15. Question numéro 15, histoire d'Haïti pour Jean-Josué. Quelle est la signature de Bookman? D'accord. Non. Non. C'était la seule possibilité que tu avais. Avec qui on a? À lui? Duty. Bravo! Bookman Duty. Bookman Duty. 005. Fleurissant Yuri Stanley. On est toujours en histoire d'Haïti. 17. 17. Question 17 pour Yuri, histoire d'Haïti. Quel héros historique est sur les billets de 10 gourdes? S'il vous plaît. Sanit Belair. Bravo! Bien, on continue. Innocent Mirland. 006. Quel numéro? Question numéro 6. Question numéro 6 pour Mirland, histoire d'Haïti. Quelles sont les paroles célèbres de Boisrond-Tonnerre lors de la rédaction de l'acte de l'indépendance? Litezi, nous besoin problème pour nous faire pour semblant pour nous écrire et plume blayo. Je passe. Elle passe. Qui veut répondre? À qui vous accordez la permission? Pour rédiger l'acte de l'indépendance, il nous faut la peau de blanc pour parchemin, son crâne pour écritoire, son sang pour encre et une baïonnette pour plume. Bravo! On continue. 007. Jean Milcar Cassandre. Question numéro 11. Question numéro 11, histoire d'Haïti. Comment s'appelle le fort construit par les Espagnols avec les débris de la Santa Maria? J'en passe. Vince, c'était le fort de la nativité. Bravo. Oui, tout ça, Vince. 008, Jean-Baptiste Ernst Stanley. Il faut replier, s'il vous plaît, les bouts de papier. C'est quel numéro? Question 9. Question 9. Quels étaient les mots prononcé par Dessalines pour terminer son discours lors de la proclamation de l'indépendance? Quels étaient les mots prononcés par Dessalines pour terminer son discours lors de la proclamation de l'indépendance? Passe.
Innocent Mirlod, il y a un seul homme ici, c'est moi. Non. Tous servants, jouons de vivre libre jusqu'au dernier soupir. Est-ce que vous allez accepter, parce que ce n'est pas exactement ce que j'ai? Quelqu'un peut faire mieux? On va voir, ensuite on va voir qui va avoir le point. Jouons de nous combattre jusqu'au dernier soupir pour l'indépendance de notre pays. Bravo! Merci, on continue. 009, Joseph Ernst. Ah, ok. Bien sûr. Comme c'était un mot qui t'est manqué, jury a très clément. On va t'accorder 5 points. On l'applaudit, s'il vous plaît. Question numéro 4. Question ça, c'est le plus facile dans tout concours. Bon, on reste à venir, c'est plus facile. Que signifie le sigle PHTK et quel est son emblème? Parti haïtien tête Kali. Mm-hmm. Quel est son emblème? Couleur rose. 1, 2, 3, 4. PHTK, Parti haïtien tête calée, une main fermée. Bien sûr, bravo! Ernst, nous n'avons pas quitté le public, Millennial a raison sur vous. Étienne de Josué. Bien, on continue. 010, pardon, le Dix Caroline. Haïti, tout nan poche le Dix. Nous suspect ça? Quel numéro? On est toujours en histoire. Question numéro 8. Quel est le gentilé de l'ancien président Jean-Bertrand Aristide? Pas courir sous question ça. Quel est le gentilé de l'ancien président Jean-Bertrand Aristide? Passe. Bon. Et la réponse est pour ça, elle vient. Moins besoin, plus précision. Ou pas tout faux, mais besoin, plus précision. Fleury Saint-Uridali, pour ça, elle vient, pour ça, elle vient. Non. Il est Arni. Quoi? Il soit arniqué. Ah ben, tu ne savais pas, maintenant tu le sais. On continue? Bien sûr. On y va. 011. Mésidor Winona. Bon, Winona, on fait de 0, mesdames, là, oui? Nous d'accord? Mesdames, on encourage les mesdames. Femme de nous. Bien. Question 2. Quel est le nom du premier président de la République d'Haïti après la réunification? Quel est le nom du premier président de la République d'Haïti après la réunification? Jean-Pierre Boyer. Bravo! Mesdames, deux. Yes. Et pour mesdames, dis-nous ça. On continue. Au fond, Rougieri Justin, 012. Même si nous, elle, j'ai un petit monde qui l'a soufflé. Question 10. Pour Rougieri. Quels sont les quatre aspects de la vie nationale
que l'ancien président Jovenel Moïse voulait combiner pour sortir le pays de la misère. S'il vous plaît. L'idée dit que nous avons besoin de soleil, là, nous avons besoin de l'eau, nous avons besoin de terre. Après ça, la bonne production agricole qui a un résultat, soleil, de l'eau, terre. Merci, c'est pas ça. Il y a une question qui n'a pas accordé un mot sur un point. Qui veut répondre? À qui on accorde? Oui, oui. Yuri. Mounio, soleil là, de l'eau, terre. Bravo! Mes amis, l'avant, et monsieur a dit bagay là. Oh! On continue! 013, Robert Marc Peterson. Quel numéro? Question 12. Quel est le nom complet du président décédé le 3 mars 2017? Winnie Garcia Brival. Bravo! On continue? 014, Romelus Isaac. Ah, Isaac, tu as soué là. Vous stressez Isaac? Oui. On encourage Isaac, monsieur. Oh, mon garçon dans la salle là. 014, Romelus, c'est quelle question qu'on doit te poser? Question 3. La question la plus facile, hein? Quels étaient les mots de Toussaint Louverture lors de son arrestation? En me renversant, on m'a abattu que le tronc. Reprends, il faut parler assez fort et plus près du micro pour que le jury entende. En me renversant, on m'a. Il le sait. On y va. En me renversant, on m'a abattu que le tronc de l'arbre de la liberté puisse, par ses racines, puisse se repousser. Vas-y. Tu as fini ou bien on va dire cela? Vas-y, continue. Par ses troncs et ses racines. OK. C'est aux membres du jury d'en décider. En me renversant, on a battu à Saint-Domingue que le tronc de la liberté des Noirs repoussera par les racines, car elles sont profondes et nombreuses. Bravo. Zéro 15, tous ces Hermès. Question 16. OK. Question 16. Quel héros historique est sur les billets de 50 gourdes? Alexandre Pétion. Non. On va annuler la reprise puisque peut-être nous tout est à terre. Quoi? Qui est-ce qui était ouais, qui est en vent? Opon? Opon ou Jerry? Non, c'est pas Alexandre Pétion. 50 gourdes. Oui, la réponse est François Capois, dit Capois Lamour. Bravo! Et on applaudit très fort, s'il vous plaît, cette première catégorie d'Histoire d'Haïti!
On continue avec géographie d'Haïti. 001, Bernard Valéry. Question 11. Question 11. Géographie d'Haïti. Quel est le cours d'eau le plus important d'Haïti? Le cours d'eau. Temps écoulé. Tout servants, le fleuve de l'Artibonite. Bravo! On continue. Quand coule Richard. Quand coule. Quel numéro? Question 6. Question 6, quand coule. Quelle est la ville baptisée Ville de Toussaint Louverture? L'Ouest. Non, Port-au-Prince. La ville de Port-au-Prince. Non. Non. C'est pas ça. À qui on accorde? Breda. Non. Yuri Henry. Bravo. S'il vous plaît. Nous pas contre qualité gros ville ça. Bon, c'est l'âme sortie. La ville de Toussaint Louverture, c'est Henry. On continue. Danville Ixon. Ixon géographie. Question 16. Question 16. Ixon, quelle est la hauteur du second plus haut pic d'Haïti et dans quel département se trouve-t-il? Une seule question. S'il prend you, n'y pas dit l'autre là? N'y pas vous. 2680 mètres. Département l'Ouest. Non? Le pic Makaya dans le sud, avec 2400 mètres. Non. Pic Makaya sud, 2405 mètres. Non, c'était la dernière possibilité. Au lieu de sud, c'est grand dense, et puis 2000, on t'y jambes plus devant, 347. Bravo! Pour qu'ils ne soient pas levés, moi, alors. Jean-Josué. Question 3. 004. Question 3. Quel est l'unique département enclavé d'Haïti? Le centre. Bravo! 005. Fleury Saint-Yuri Stanley. On est en géographie d'Haïti. Question 2. Question 2. Quelle ville héberge le palais Sans Souci? Quelle ville? Milo. Bravo! On continue. Innocent Mirland. On y va, Mirland? Question 10. Question 10. Quelles sont les trois collectivités territoriales reconnues par la Constitution de 1987 en vigueur? Arrondissement, commune, section communale. Non. À qui on accorde? Commune, section communale, département. Bravo. Quand coule Richard. On continue.